Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro sur IFC 24 pour les trois meilleurs entraînements pour s'améliorer du coup en tant qu'attaquant. Même les ailiers peuvent le faire, mais c'est surtout pour les buteurs. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vais juste vous présenter les trois meilleurs entraînements qui, selon moi, vont vous améliorer et qu'on a fait faire à nos attaquants. Et souvent, ils font d'eux-mêmes. Hein. On leur a même pas dit, mais ça les a grandement améliorés en phase offensive et au choix qu'ils doivent prendre. Donc, juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et on est directement parti. Je vais pas vous faire durer le suspense. Donc, on se rend bien du coup en club pro. Bon, on a toujours ce bug pop-art, c'est pas grave, on va faire abstraction. Donc, dans la section pro, disputer jeu technique, voilà, rien de plus simple, je pense que vous savez où c'est. Et on va pas aller dans les tirs, mais bien dans le scénario d'entraînement. Et voilà, on va y aller progressivement. Donc, on va commencer avec le scénario offensif débutant. Voilà, ce sera des phases souvent sans défenseur ou alors avec un défenseur. Et voilà, il va falloir prendre la bonne décision, faire le bon tir, et vous voyez qu'après cette phase compliquée, il va avoir deux défenseurs. Donc, vous contrôlez les deux joueurs. Ça, c'est un petit peu dommage que vous n'avez pas que le vôtre. Mais ça vous améliore et ça vous pousse à prendre des choix. Vous voyez, il va falloir prendre à chaque fois le bon choix pour marquer ce but le plus rapidement possible. Donc voilà, je vais en faire un dernier. Hop. Mais voilà, c'est des trucs à faire, je pense, juste avant les sessions, mais qui vont vous pousser à vous améliorer et ouais, comme je l'ai dit, à prendre des choix qui se répéteront bien évidemment dans le match et du coup vous pourrez anticiper plus facilement la situation et être meilleur. Ensuite, le deuxième scénario offensif novice qui, à mon goût, ça c'est le meilleur, je pense, à faire. Ça c'est pas trop dur et pas trop facile. Donc ça commence directement avec un défenseur. Mais là, les appels sont plus bizarres, donc il va falloir vous débrouiller. C'est plus compliqué, hein. Il y a rien de sorcier, mais c'est dur quand même. Vous voyez, là, il y a déjà trois défenseurs. Donc voilà, va falloir vraiment gérer votre attaquant. Essayez de pas vous faire prendre la balle. Bien jouer avec les appuis et pas rester appuyé sur R2. Et ça, c'est très important face offensif de pas rester appuyé sur R2 parce que souvent, c'est ce qu'ils font les attaquants. Donc voilà, vous pouvez réaliser tout type de frappe, tout type de passe. Et marquer des buts sensationnels, mais surtout, hein, comme je l'ai dit, hein, il n'y a rien de mieux avant une session. Voilà, vous faites ça même 2-3 fois si vous pouvez, et ça va vous améliorer. Vous voyez, il y a toutes les situations possibles, et en plus, ça va vite, hein, franchement. Vous faites ça en 5 minutes. Et le dernier, du coup, les gars, c'est scénario offensif champion. Ça, c'est pas pareil parce qu'il y a toute la défense. Voilà, mais ils sont plus. Là, c'est plus compliqué. Par contre, va falloir prendre la bonne décision. Pas comme celle-ci, par exemple. Et du coup, marquer. Bien attendre les appels. Donc, in-game, ce sera vos coéquipiers. Donc, il faudra vraiment vous entraîner à bien leur mettre. Ce sera pas les mêmes appels, mais ce sera le même style. Le même style de contre-attaque qu'il va falloir gérer le mieux possible. On peut même vous entraîner aux gestes techniques à faire juste avant la défense. Pour pouvoir marquer. Là, essayez de jouer le plus possible avec votre joueur, même si des fois c'est impossible, mais vous voyez que là, ça part de votre joueur et ça se répétera, comme je le répète, in-game. Donc voilà, les gars, c'est à peu près tout pour ces jeux techniques à faire pour vous améliorer en tant qu'attaquant. Donc, je répète, scénario offensif débutant, scénario offensif novice et offensif champion. Je pense que si vous faites un de chaque avant chaque session ou même quand vous avez un petit peu de temps libre, ça peut être vraiment cool et sans doute ça va vous améliorer parce que les gars, de toute façon, c'est du foot, c'est les mêmes situations. Là, ils vous mettent dans plusieurs situations possibles, tout type de situation même, et avec tout type de frappe à réaliser ou même de passe qui vous amélioreront. Voilà, les gars, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker et à me dire si ce tuto vous a été utile. Merci à tous ceux qui likeront la vidéo et s'abonneront. Et moi, je vous dis à la prochaine.